Salut les gars, c'est Susucre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bilan sur ce qu'il s'est passé ces derniers jours sur Dokkan Battle. J'ai fait une vidéo précédemment où j'expliquais mon compte allait être ban incessamment sous peu, que j'attendais la sanction. J'ai sorti une vidéo je crois hier par rapport à quand vous allez voir cette vidéo où je jouais encore sur mon compte, où je pouvais encore jouer sur mon compte. Et je vous avais dit que je vous tiendrai au courant des aventures de mon compte et de quand il allait être ban et de ce que j'allais faire après. Nous y voici, pardon. J'ai un chat dans la gorge, ça a du mal à passer. Ce matin, le 6 juin 2017, à environ 10h, j'ai voulu me connecter sur mon compte Dokkan Battle avec mon téléphone. C'est alors qu'est apparu, eh bien, une fenêtre pop-up m'indiquant de contacter, eh bien, le support japonais parce que mon compte venait d'être banni. C'est donc avec un profond regret et avec beaucoup de tristesse que j'enterre mon compte ce 6 juin 2017 à 10h. Malheureusement, mon compte est officiellement banni. Il n'est officiellement plus possible pour moi de m'y connecter. J'ai encore un recours. J'attends une réponse de Namco Bandai version Jap. Mais je pense à 99% que leurs réponses sera la même que les réponses qu'ils m'ont déjà envoyées avant. On sait jamais, on peut rêver. S'ils me débannent, on oublie tout. Je reprends mon compte et on oublie tout. Puis rien ne s'est passé. Si je ne suis pas déban, la guerre est lancée et je vais devoir répliquer puisque le sucre ne se laissera pas à ce point-là marcher dessus injustement. Et du coup, c'est à ce moment-là que je vais avoir besoin de mes abonnés, des gens qui veulent faire ce que je leur demanderai de faire. Donc ce n'est pas une obligation, seuls ceux qui voudront le faire pourront, enfin me suivront plutôt. Et ce que je peux vous dire pour l'instant, sans trop spoiler ce que je vais faire, c'est que lors des prochains Tenkaichi Budokai, qu'ils soient sur la globale ou sur la Jap, je compte faire une demande spéciale à mes abonnés, à mes followers. J'ai besoin qu'une dizaine, quinzaine de personnes jouent le jeu, pas plus, pas plus. Pour faire ce que je veux faire. Ça ne servira à rien, certainement. Ça ne me rendra pas mon compte, certainement. Mais ça me fera me sentir bien, ouais. Bah ouais. Parce que ils sont cons, mais je peux être très con aussi. Donc on va aller dans la connerie bien comme il faut. Sur ce, après cette introduction assez longue, où donc j'explique que mon compte a été banni, n'est plus disponible, je vais t'expliquer un petit peu ce que je compte faire maintenant sur Dokkan Battle. J'avais dit dans la précédente vidéo qu'il y avait beaucoup de chances que je stoppe complètement Dokkan Battle si mon compte était ban. J'ai discuté avec pas mal de mes collègues, youtubeurs, abonnés, même mes proches, des proches de moi, hein, en vrai, hein, qui sont pas forcément dans le délire du jeu vidéo, mais qui j'ai parlé vite fait du délire, et qui m'ont conseillé, ou qui m'ont dit quoi faire, plus ou moins. Du coup, ces personnes-là m'ont conseillé de continuer, que ce soit pour le développement de ma chaîne, que ce soit pour eh bien, montrer que malgré tout, je combats, je reste fier et je repars de plus belle. Eh oui, c'est pas faux, même si c'est très très dur, très très dur, de vouloir se remotiver pour monter un compte ou prendre le compte de quelqu'un et se l'approprier. C'est compliqué, mais parce que je ne veux pas abandonner,
parce que je veux pas abandonner les gens qui se sont abonnés à ma chaîne pour Dokkan Battle, parce qu'il y a des gens qui se sont abonnés à ma chaîne pour Naruto, pour des reviews, pour les trois, mais je sais qu'il y a des gens aussi qui se sont abonnés que pour Dokkan Battle. Et pour tout ça, le fait qu'évidemment, Dokkan Battle, on ne va pas se le cacher, je suis honnête, c'est ce qui fait le plus de vues sur ma chaîne. Donc, si j'arrête, ça va couper ma montée en abonnés, on va dire. Ça va la couper clairement. Elle va prendre un taquet comme ça. Est-ce que c'est ce que je veux? Non, moi je vais essayer de développer ma chaîne au maximum pour que par la suite, des vidéos telles que celles que j'ai sorties sur Tekken fassent autant de vues que des vidéos sur Dokkan Battle. Même si ça va être compliqué. Des vidéos sur d'autres jeux fassent beaucoup de vues, comme sur Dokkan Battle. Et non pas que Dokkan Battle. Et Naruto qui fait quand même pas mal de vues, Naruto, et certaines de mes reviews. Mais j'aimerais que d'autres vidéos, d'autres styles de jeux fassent aussi autant de vues. Et pour ça, j'ai besoin de mon temps d'abonnés. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai des gens qui vont s'abonner à moi, pas que pour Dokkan Battle, mais aussi pour moi, pour ma personnalité, pour parce qu'ils m'aiment bien, ou parce qu'ils m'aiment pas. Parce qu'il y a des mecs qui sont abonnés à moi qui juste pour me mettre un dislike quand je lasse la vidéo, en fait. Faut le savoir, ça, faut le savoir. Il y a des mecs qui sont abonnés à ma chaîne, et ils attendent juste que je sorte la vidéo. Je sors la vidéo, dislike. Et il y en a des comme ça, faut le savoir. Enfin bref, c'est pas grave. Au pire, t'es abonné. Je te respecte. Enfin bref. Donc du coup, la décision est la suivante. Je vais continuer Dokkan Battle. Tu vas me dire, mais sur quel compte? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas recréer un compte, etc. Eh bien, quand je reprends quelque chose, et quand je m'investis quelque part, je le fais pas à moitié. Et grâce à certains abonnés, deux en particulier, même si beaucoup m'ont proposé plein de choses, le sucre va être désormais sur deux tableaux. Bon, un tableau plus que l'autre, certes, mais je serai quand même sur deux tableaux. Le premier tableau, évidemment, qui est celui sur lequel j'ai quasiment toujours été, parce que j'ai joué un petit peu à la globale, mais pas non plus très très longtemps. J'ai vite voulu partir sur la version japonaise. Le nouveau compte que je vous présente ici, mon nouveau compte, qui sera désormais le mien. On remercie fortement l'abonné qui m'a offert ce compte. Je ne donne pas son blaze parce que peut-être qu'il ne veut pas être cité, mais tu te reconnaîtras. Son blaze commence par un R, donc un grand merci à toi. Il m'a donné ce compte. Alors là, je vois déjà. Mais Susuk, tu vas te faire niquer, c'est un don de compte, tu vas te faire ban. Et Susuk, c'est un compte TBZ Space, autant tu vas te faire ban, attention, te fais pas avoir encore une fois. Alors, répondons par étapes. Déjà, j'ai vérifié. Bon, déjà, le mec m'a évidemment certifié que c'était pas un compte TBZ Space, qu'il n'avait jamais mod, et que c'est un compte 100% legit. Un compte, quand il est de chez TBZ Space, maintenant, on commence à les sentir, tu vois, on commence à voir. Qu'est-ce qu'un compte de TBZ Space, tu le check, tu le trouves de suite. Tu vois. Un compte qui est mod, tu le trouves aussi de suite. Tu comprends, tu vois les incohérences. Je peux checker. J'ai passé une bonne heure à mater le compte de fond en comble. Et j'en suis venu à la conclusion avec les personnes qui m'ont aidé à checker le compte, à vérifier que ça pouvait être legit. Que le compte était possiblement à 99% legit, sans mod. Non pas de DBZ Space, donc bien un reroll que le mec qui m'a donné le compte a créé, et donc que je pouvais éventuellement m'investir dessus. Évidemment, je vais quand même attendre un petit peu, on ne sait jamais. Le gars a participé aux différents TB, il n'a pas eu de message de ban des deux derniers, donc déjà, malgré tout, même si certains sont passés à travers les mailles du filet, c'est bon signe. Il n'y a pas les objets en masse en x300 comme on peut avoir quand on a un compte de BZ Space, comme on pouvait avoir quand on a un compte de BZ Space qui date il y a quelques temps encore. Au niveau de la box, tu vas le voir par rapport à son rank. Tu vas vite comprendre que le mec c'était pas un cash player, c'était un free player. Pourquoi? Parce que tu vas voir qu'il a que environ 100, je crois qu'il y a 125 slots sur le truc, ce qui est très peu, donc ce qui correspond à ce qu'il m'a dit, qu'il mettait pas de thunes, que c'était juste avec ce qu'il avait. Eh bien, eu la chance de farmer. Et au niveau des persos, tu vas te constater qu'il n'y a pas beaucoup de persos spédis, déjà. Donc, pas de duplication possible de vieux Kai, par exemple. Donc, des DS. Et que la box est cohérente avec ce que m'a annoncé l'abonné. Tout est plutôt cohérent.
Les choses sur lesquelles je doutais, j'ai eu des screens, des multis avec les persos qu'il a obtenus, avec le nom de son compte bien en haut, le level, la date. Aucune raison de ne pas le croire sur le coup. Le mec semble plutôt plutôt bien, a priori, de ce que j'ai pu l'avoir en message privé. Donc, je pense clairement que le compte est legit. Je vais quand même attendre un petit peu, sait-on jamais, pour éventuellement m'y investir financièrement. Mais j'ai confiance. J'ai confiance sur ce compte et j'ai confiance en ce mec qui m'a donné son compte, que je remercie encore une fois. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en toi. J'espère que tout ce que tu m'as dit est bien vrai. D'après ce que j'ai pu checker, c'est vrai. Tu n'as pas de raison de mentir. Pourquoi tu mentirais? Il n'y a pas de raison. Donc je pense que on tient le nouveau compte Jap de la chaîne. Malgré tout, ça me fait très mal au cœur de perdre mon ancien qui était clairement un compte pété de fou. J'avais presque tout, presque tous les persos Spedis, presque tous les gros persos avec au moins un doublon. Voilà, j'avais vraiment un compte monstrueux. Monstrueux. Ceci dit, c'est comme ça, on peut pas revenir en arrière. Le passé, c'est le passé, sauf si je me fais des balles, mais comme je te le dis, à 99%, ça n'arrivera pas. Donc on se concentre sur le futur. Pour l'instant, le futur, c'est ce compte que je vais te présenter rapidement. Le compte, tu vas vite comprendre qu'il est basé sur une team, principalement la team intelligence. Et tu vas comprendre pourquoi. Allez, c'est parti, du coup, on se balade sur le compte. On va aller voir un petit peu la box qui est maintenant la mienne. Comme tu peux le voir, le Gohan LR est présent sur ce compte. Le Gohan LR est présent sur ce compte. Le Gohan LR SP20, sans doublon, ne déconnons pas. Donc, c'est déjà un très bon point pour ce compte. Le Piccolo LR SP1, donc c'était un mec qui était aussi comme moi assez flemmard, parce que mon Piccolo est SP1 aussi, enfin était SP1, on parle de au passé. Un Black Rose SP10 avec 0 doublon. Un Vegeta, SSJ4 pardon, que j'ai monté SP10 parce qu'il était que SP8 quand j'ai récupéré le compte tout à l'heure. Sans doublon, même pas avec des orbes mises dans l'arbre. Un SV, si tu te rappelles de mon SV qui était quasiment full arbre, qui mettait des critiques de ouf, eh bien celui-là il me fait pleurer, mais bon, c'est SV. Avec un doublon qui malheureusement a été mal monté, il fallait monter en critique. SP1, tristesse et robustesse, Caius C+, les nouvelles sont pas bonnes. Qui est-ce qu'on a comme gros perso? Goku Kaioken, SP1. Zamasu, Gattai, qui n'a même pas eu le courage de le SP10. Ceci dit, bon, ça c'est pas très grave, hein, je pourrais le faire un peu plus tard. Là, nous avons par contre du lourd. Un Goku 100% SSJ3. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Là, ça me rappelle mon Goku. Mon Goku était aussi bien monté. Il était 100% aussi. Il était en 20 critique. Donc, ça. Là, j'ai l'impression d'être sur mon compte. Tu vois. Là, j'ai l'impression d'être sur mon compte. Donc, ça c'est lourd. Un Goku SSJ3 100%. Le sel, évidemment, support, le nouveau support. Qu'est-ce qu'on a comme gros perso? Buhan, SP10, sans doublon. Gogeta avec un doublon qu'on a ici. Donc tu vas comprendre la puissance de la team intelligence ici sur ce compte. Le Trunks Ikari qui a eu un doublon que je suis en train de monter parce qu'il a pas eu. Il a pas assez d'orbes. Donc du coup j'en ai pas assez. Le Vegeta SP1 sans doublon. Le Gohan Ultime, Goku, le Goku Junior qui était free, que tu pouvais farmer. Ça fait plaisir. Gogeta en puissance. Pas touché. SP1. Goku SSJ4, SP10. Avec 0 doublon. Ça manque. Mon Goku SSJ4 qui était SP10 et full doublon. Full arbre. RIP. Le Trunks. Un petit peu monté, pas plus. Le Goku SSJ3. Kid Goku. Le SVB SP1. Et oui, et pas monté non plus dans l'arbre. Ça fait mal aussi. Mais bon, ça c'est du farm. C'est des jours et des jours, des semaines, des mois pour monter ses persos SP10 avec l'arme montée, etc. Des mois. Qu'est-ce qu'on a aussi non comme gros perso dans la box? Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Si on a le Gohan là qui est vraiment vraiment intéressant, pour le type endurance. Et voilà plus ou moins la team qui. Enfin les teams qu'on peut faire avec ce compte, hein, une grosse team intelligence, une team puissance très correcte, malgré le fait qu'on n'ait pas de doublons un peu partout et qu'on n'ait pas le Gogeta SP10. Donc et une team tech. La team tech, le problème c'est que le Goku SSJ3, il est un peu seul au monde là. Il est un peu seul au monde pour l'instant.
il y a végétaux, on peut faire une team tech pas trop dégueulasse. On peut réussir à faire une team tech correcte. Voilà un petit peu pour ce qui est du compte. 130 slots, ce qui accrédite la thèse du free-to-play et surtout du compte non DBZ Space et non mode. Donc voilà, le petit Satan LR, futur Satan LR. C'était la présentation de ce compte. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires, mais je l'ai retourné dans tous les sens. J'ai checké partout, les trucs baba, les machins, les tickets, les trucs, j'ai tout checké. Et vraiment, je suis sûr à 99% que c'est un compte legit, qui n'a jamais utilisé de choses, de logiciels tierce. Voilà. J'espère que, du coup, tu vas prendre plaisir à suivre les nouvelles aventures de ce compte. Pour le coup, à chaque fois que je vais faire des invocations, eh ben, y a plein de persos que je vais pas avoir, que je vais devoir monter. Parce que bah, tu vois, il manque quand même pas mal de persos dans la box. Ah, il y a Cell Puissance aussi, j'ai oublié de le notifier, et Omega quand même. J'ai légèrement oublié Cell Puissance et Omega, quoi. On en est là. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la box. Il était level 300. Si tu veux m'ajouter un ami, c'est le moment. Je recherche principalement des Gogeta, intelligence P10 avec un doublon au moins. Et oui, je suis comme ça moi. Voici mon idée, tu peux m'ajouter. Si tu as un Gohan LR, why not? Si tu as un Goku SSJ4, why not? Si tu as un Vegeta peut-être SSJ4, un couleur, pourquoi pas, P10 avec un doublon. Ça ferait plaisir. Donc n'hésite pas à m'ajouter. Donc voilà le compte sur lequel on va jouer au niveau de la Jap. La question de l'investissement devra attendre. Pour l'instant, je ne mets pas d'argent. En tout cas, pas pour les prochains jours. Puis c'est pas le portail de Gotenks qui va me faire mettre de l'argent concrètement parce qu'il est pas terrible. Mais il suffit que ça sorte un gros portail dans 3 semaines et on est dans la charrette, les amis. On est dans la charrette. Voilà du coup pour le compte sur la version japonaise de Dokkan Battle sur lequel tu vas pouvoir me voir lors des prochaines vidéos. Maintenant, je t'ai dit que je rigolais pas moi. Moi je rigole pas, quand je pars en guerre, je vais pas laisser là, je vais pas laisser mes abonnés ici, je vais vraiment mettre le paquet et je vais montrer que Namco Bandai ne m'aura pas brisé. Je vais vous montrer de suite les amis, la suite des événements. Alors pour ça il faut que je connecte mon téléphone parce que le compte est sur mon téléphone, donc ne bougez pas, on va faire ça de suite. Hop là, nous voilà sur mon téléphone, let's go, tu l'as reconnu, nous sommes sur la version globale de Dokkan Battle. Et oui, le sucre est désormais présent sur les deux versions, avec un compte level 290 que je vais te présenter aussi rapidement. Eh bien, c'est un compte qui m'a été donné par Roktamb. Et oui, Roktamb, le monsieur que tu vois là, qui a fait un don de 50 euros encore ce soir en stream. Encore un gros merci à toi, Roktamb. Qui a décidé, pour des raisons qui lui sont personnelles, de stopper Dokkan Battle. Son compte étant, vu que je le connais personnellement, un compte qu'il a créé lui-même, sans mode évidemment, et donc du coup, 100% legit, aucun souci. Pour les mecs qui me disent oui, mais c'est un échange de compte, c'est interdit. J'ai envie de te dire, à ce moment-là, tout le monde va être ban et mes couilles quoi. Et je vais t'expliquer une dernière fois, les bans qui ont été faits là, c'est parce que TLM et Renzi, hein, je vais le dire, deux gros fils de pute, ont mode sur les deux derniers TB, mode à un point qu'ils ont pris plusieurs fois, enfin les plusieurs places, les 10 premières places ou 5 premières places dans le premier, je sais plus, du TB pour troll Namco Bandai et pour les pousser dans leur retranchement. Ça en est suivi malheureusement à cause de leur connerie de gros fils de pute. Et oui, je sors les gros mots. Et oui, je suis désolé, mais je l'ai mauvaise. Et il me sort pas dans les commentaires qu'ils ont fait beaucoup pour la communauté. Je m'en bats les couilles, c'est des fils de pute, ok. Ensuite, à cause de ça, Namco Bandai sont partis à la chasse aux sorcières. Du coup, ça en est découlé une grande partie des bannissements des comptes DBZ Space. Voilà. À cause d'eux. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, on aurait été tranquille. Ils auraient continué de ban simplement les mecs qui modaient sur le TB. Et ils auraient laissé tranquille les autres. Enfin bref. Après ce passage insulte, on va vite faire voir la box. La box sur la globale. Alors évidemment, je ne m'investirai pas, autant sur la globale que sur la Jap, je prioritise la japonaise en priorité, c'est le cas de le dire, et la globale en second. Ceci dit, peut-être que je changerai d'avis au bout d'un moment, je ne sais pas. Mais ceci dit, ça me permettra de vous faire des petites vidéos sur la version globale, jusqu'à ce que Roktamb peut-être change d'avis, que je lui rende son compte, parce que je me suis engagé à lui dire que si jamais il changeait d'avis, parce qu'il a quand même mis beaucoup d'argent sur ce compte, et tu vas t'en apercevoir, je lui rendais son compte à tout moment.
Voilà, on va partir pour visiter la box de l'ami Roctambe, qui est désormais la mienne, en tout cas pour le moment, avec les Android LR qui sont en plus, pour le bonheur des yeux, SP20. Donc c'est plutôt cool. Black Rosé, SP10, avec pas de doublon. On a le Golden Frieza, on a SV SP10 aussi. On a... qui on a encore? On a du lourd, on a du Golden Tech. On a du Majin Vegeta. Ah, il est SP10 en plus. On a du Celtech, on a du Gotenks. Évidemment SP10, hein, le Roctambe, on commence à le connaître. Alors on a le Karoli. Je crois que c'est Karoli. Si je dis pas de conneries. Le Janemba, j'ai jamais eu le Janemba Intelligence. Foutonne-moi ou pas, je l'ai jamais eu. Le Buan, est-ce qu'il a des doublons avec Buan? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a encore comme gros perso? Omega SP10 avec un doublon, deux doublons peut-être même. Qui on a encore? Ouais, un doublon je crois que c'est. On a Gogeta SP10. Eh oui, et il est lourd le compte les amis. Gogeta SP10. On a Broly SP10. Ah là avec du doublon en plus. On a Freezer Full Power SP10. Ce compte est très lourd. Hein. Ce compte est très lourd, clairement. SVB SP10. Oh là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un compte comme ça quand même. Et puis on a pas mal de SSR en bas, là, des doublons qui se cachent, tout ça, tout ça. Ce couleur là qui a eu son Dokkan sur la Jap, donc qui est très intéressant après en termes de support. Un doublon Janemba, Talesu, enfin bref. Le compte est très lourd. Un autre doublon Broly. Oh, il y a un vieux Kai qui traîne. Ok, ça fait plaisir. Donc voilà un petit peu le compte global et le compte Jap. Donc n'hésite pas pour le coup à lâcher un gros pouce bleu. Encore un gros merci à tous les gens qui m'ont soutenu. Parce que crois-moi, même si là j'ai récupéré deux comptes, je suis quand même... Enfin, le compte que j'avais était insane. J'ai passé des jours, des heures de farm. J'ai jamais utilisé le moine cheat. Des heures de farm pour farmer ne serait-ce que le Freezer LR. Pour farmer toutes les orbes à chaque fois. Pour farmer les events. Pour vous proposer des vidéos, les thunes que j'ai la claquer dessus pour avoir les derniers personnages, pour vous proposer des vidéos, etc. Tout ça. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, c'est du passé, il faut éviter d'y repenser, sinon ça fait mal au cul. Je suis en ce moment le seul homme capable de m'asseoir sur des petits Suisses sans les écraser, mais je pense qu'un jour ça se résorbera et que j'écraserai enfin ces petits Suisses. Enfin bref, après cette petite aparté, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu comme je te l'ai dit. Abonne-toi ou réabonne-toi parce que tu vas avoir du contenu global, du contenu Jap. Et tu vas avoir bien sûr tout le reste du Naruto Blazing, du Tekken, des futurs jeux Namco Bandai FR. Enfin des futurs jeux manga sous licence manga évidemment. Parce que moi j'aime bien ça. Des reviews, tout ça ne va pas s'arrêter. Le sucre, eh bien tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et en l'occurrence... ça me rendra plus fort, crois-moi. Tous les rageux, je vous emmerde. Et les autres, merci du soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te fais des bisous. À bientôt. Ciao.